Michée, chapitre 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montez à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob ». Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maîtrisés. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel règnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elle soit profanée, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule, je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège, avec la verge on frappe sur la joue le juge d'Israël.